C'est une nouvelle marée humaine qui a battu le pavé madrilène. Venus de toute l'Espagne, ils ont défilé hier symboliquement dans les rues de la capitale jusqu'à la Puerta del Sol pour dénoncer le chômage record dans le pays, 22% de la population active. Des citoyens de tous horizons, jeunes, étudiants, retraités, chômeurs, salariés, à l'image de Teresa. Je pense que la distribution des richesses n'est pas équitable. Nous devons changer la loi électorale car elle ne représente pas les citoyens. La loi doit répondre aux intérêts économiques du plus grand nombre et pas aux intérêts de quelques-uns. Le mouvement des indignés est apparu à la mi-mai. Outre les retombées sociales de la crise, il dénonce aussi la corruption de la classe politique et réclame une réforme du système électoral avant les prochaines législatives prévues en mars 2012.